capable porter un démenti formel pour nous même inscrire nous en faux contre déclaration que commissaire Steven Benoît fait pour t'a dit que commission écrasée. Non, mille fois non, commission pas écrasée, elle pas écrasée. Mission sacro-sainte nous c'est produit trois noms, trois figures de proue au-dessus de tout soupçon pour aller représenter parlement dans CEP pour aller gagner pour organiser les collectivités territoriales et renouveler le tiers du Sénat. Per face et néfaste, n'a privé produit trois noms saillants. Déjà, nous avons fait le monde entier connaître que pas gagné sénateur et député encore dans la commission bicamérale. La commission bicamérale, une fois formée, il n'y a que des parlementaires, il n'y a que des commissaires. Nous sommes 17. Nous avons besoin de 9 commissaires pour nous gagner. Nous gagnons plus que 9 commissaires. Contrairement à l'idée de ta fait croire que la commission est écrasée, non. La commission est au travail. Déjà matin, nous avons monté un bureau ad hoc qui est composé de commissaire Alpes Toussaint, président, commissaire Franciscas Lambert, vice-président, et votre serviteur Jean Danton Léger, secrétaire, rapporteur, faisant tout office de porte-parole. Et déjà, nous lançons en convocation à tous les commissaires à la salle de séance du Sénat de la République lundi prochain à 11h pour nous élu un bureau définitif et pour nous plancher tout sur un agenda de travail. Gagnent en pile personnalité qui étaient fait dépôt de candidature. Nous pourrons apprécier le dossier ça. Et nous avons l'autre personnalité haïtienne qui est intéressée à faire partie de CEP ça pour venir porter le dossier tout pour analyser. C'est sûr que bien avant 10 jours que nous avons